Voici Triton, une lune de Neptune. Triton était le fils du dieu romain Neptune, que les Grecs appelaient Poséidon, le dieu des mers. Cet océan n'a pas encore de nom. Il s'est formé quand la chaleur de notre géante rouge a fait fondre la glace d'ammoniac et d'eau de cette lune stérile. Nos lointains descendants vivront à un rythme différent du nôtre, ici sur Terre. Sur Triton, les jours dureront 144 heures et les hivers seront terribles, interminables, avec des cycles de près de 50 ans. Cela dit, Triton, tel qu'il sera dans quelques milliards d'années, pourrait être une terre d'accueil pour les humains. Il a tout. Une atmosphère, des océans d'eau, les molécules constituant les premières briques du vivant. D'accord, il fait frisquer là-bas, mais guère plus que dans le nord de l'État de New York au mois de janvier. Et cela signifie qu'on pourra skier toute l'année.